La cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 s'est imposée au lendemain de la Grande Guerre, comme un temps fort de la vie publique française. Longtemps portée par les anciens combattants, cette journée commémorative est notamment devenue une occasion pour les chefs d'État de revaloriser le roman national. Retour sur le 11 novembre, l'annonce au début du mois d'octobre 1918 de la demande d'armistice de l'Allemagne surprend l'opinion française. Tout au long de ce mois, celle-ci oscille entre l'espoir de la fin de la guerre et la crainte d'une paix prématurée, dont l'Allemagne ne sortirait pas suffisamment et symboliquement vaincue. Le 7 novembre, une joie délirante éclate sur les grands boulevards à Paris à l'annonce fausse. Elle était fausse cette annonce de la conclusion d'armistice. Explique l'historien John Baker dans la Première Guerre mondiale en édition 2003. Quand le lundi 11 novembre, l'armistice est réellement annoncé, une liesse que certains ont décrite comme presque démente se déchaîne à Paris, dans les villes de province et dans le moindre bourgade. Le président du Conseil, Georges Clemenceau, est reçu à la Chambre des députés au milieu d'acclamations frénétiques. La tombe du soldat inconnu est installée sous l'arc de triomphe de la place de l'Étoile à Paris, le 11 novembre 1920. Le 11 novembre 1920. Ce soldat, non identifié et reconnu français, représente tous les soldats tués au cours de la Première Guerre mondiale. L'historien américain John Reiter rappelle dans l'histoire d'octobre 2013 qu'il s'agit au départ d'une idée britannique. Une première célébration des alliés a lieu à Paris le 14 juillet 1919, avec un grand défilé de gueules cassées sous l'arc de triomphe. Et bien cette cérémonie est limitée à Londres 5 jours plus tard. À cette occasion, l'architecte Edward Linton crée un cénotaphe en bois qui devait être provisoire. Mais celui-ci, immédiatement adopté par la population britannique, environ 2 millions de personnes, y déposent des fleurs ou des petits objets. Dans cette chambre, le gouvernement britannique demande à Linton de refaire en pierre ce truc. Il devient le mémorial de la Grande Guerre au Royaume-Uni. Mais ce cénotaphe, n'étant pas de tradition chrétienne, on décide d'y placer le corps d'un inconnu qui porterait la mémoire de tous les disparus. Presque tous les autres belligérants ont ainsi imité le rituel britannique. En 1921, le Parlement décide que le 11 novembre serait commémoré le dimanche, suivant cette date. Il n'est pas question d'accorder un jour férié supplémentaire. Mais devant la manifestation des anciens combattants, le pouvoir public cède. Le 24 octobre 1922, le président Alexandre Millerand, promulgue la loi faisant du 11 novembre la commémoration de la victoire de la paix. Ce n'est qu'à partir de 1922 que ce jour devient férié. L'historien Antoine Prost souligne que pour les anciens combattants, il s'agit moins de commémorer la victoire que de rendre hommage aux morts.